Heureux les amis, donc je suis désolé, donc il y aura eu un tout petit problème sur le début de la vidéo. Enfin, donc je sais pas encore si je vous mettrai la première partie de cette vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose de spécial, mais je m'excuse par avance. Oui, peut-être je vais sûrement la mettre, mais je m'excuse par avance pour la qualité. Hein, je m'en suis aperçu au bout de 2 minutes, il y a du lag au niveau de la vidéo. Donc, je m'excuse par avance. J'espère que ça ne laguera pas pour la fin de l'enregistrement. Ce serait vraiment dommage que je doive refaire tout le reste du château. Parce qu'il y a quand même, enfin, quasiment 2 épisodes, un épisode entre deux. Donc, ce serait dommage. Là pour le moment tout va bien. C'est au niveau du enfin c'est au niveau du logiciel d'enregistrement, parce que c'est quand j'ai vu le retour sur l'écran, parce qu'en fait j'enregistre avec un logiciel qui capte à partir d'une clé USB à ma sortie Nintendo 64 et qui retransmet sur mon ordinateur. Et donc sur le retour de l'écran, j'ai vu que ça n'en était pas au même niveau que moi là où j'en étais dans le jeu. Donc pour le moment, on avance tranquillement dans ce petit couloir comme d'habitude. Ça, c'est des maisons ou des endroits qui semblent familiers. On peut pas? Bon, ok, apparemment, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Ouais. Il n'y a pas d'esprit par là, non? Il n'y a pas d'esprit, mais il y a un combat contre le jugement. Aïe. Donc là, je pense que si vous avez compris le truc, c'est qu'il faut avancer au travers des portes. De toute façon, maintenant les esprits, on va dire qu'on s'en tape un petit peu le coquillard, hein. Pour reprendre une bonne expression bien de chez nous. Ok, bon, oui. Pas grand-chose de spécial. Où est-ce qu'on est ici? C'est pas la forêt où il y avait Fargo au début? Non. Non, ça ressemblait un petit peu, mais apparemment non. C'est un mélange de zones de lave, de je ne sais pas quoi, mais là, il y a la porte, donc. Ah, petite licorne, un petit cheval de glace. C'est le Ponyta de Pokémon version glace. D'ailleurs, peut-être qu'il s'était. Non, je voulais dire peut-être qu'il s'est inspiré. Non, ça sortit à peu près à la même période, donc je ne pense pas. Je ne pense pas. Hop. Une petite maison, là il n'y a rien. Par contre, il y a un étage, donc on va aller à l'étage. À l'étage, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, ah, si, il y a une porte là. C'est une porte ou c'est un placard? Non, ça a l'air d'être un placard. Donc, on va ressortir de la maison. Encore? Ah non, c'est pas le. Okay, c'est pas le même paysage. Par là, il n'y a rien. Donc, ok. Les zones se ressemblent un petit peu quand même. Aïe. Bon, j'aimerais bien juste régler son compte à Mamone, la Mamoun, et puis. Puis qu'on n'en parle plus, quoi, maintenant. Tout, 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 tout. C'est mal quand même, hein, quasiment 100 points de dommage.
100 points de dommage, c'est pas négligeable du tout. Un petit pont, une petite forêt, ça faisait longtemps. Toum, toum, toum. Promenons-nous dans les bois pendant que l'eau y est pas. Bon, je sais pas du tout où on en est, mais enfin, je sais qu'on approche de la fin et moi je sors même pas de la zone de combat. C'est pas très grave. Aïe. Donc, une fois qu'on aura battu Mamone, je pense que ce sera le dernier épisode du jeu. Enfin, je pense que Mamone, c'est le dernier boss du jeu, donc si c'est le cas, bah, c'est le dernier épisode. Je sais pas quand est-ce qu'on l'affronte, mais enfin, qu'on va l'affronter. Donc, vous voyez, on revient dans différentes zones qu'on a déjà visitées dans le jeu. On va dire que c'est un petit peu clin d'œil, mais c'est pas très. Enfin, personnellement, je trouve pas ça spécialement très intéressant. Ça rajoute du temps de jeu, effectivement, mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt dans le jeu de remettre du temps de jeu comme ça? Je suis pas certain. Parce que là, vraiment, en fait, depuis tout à l'heure, enfin, depuis le début de l'épisode, donc c'est-à-dire une dizaine de minutes. Avec la partie qui a bugué, bah on a fait que de courir. Tout simplement, et puis éviter les combats, mais en gros, on a fait que de courir en passant entre différentes zones, quoi. À la limite, ils auraient pu, une fois qu'on avait battu Beigis, nous mettre dans une zone un peu différente et puis mettre Mamone, quoi. Si, parce que je crois qu'on arrive directement à Mamone d'après ce que j'ai pu avoir comme information hein, quand je l'avais regardé un petit peu. Et donc clairement je trouve ça un petit peu dommage bah, de. Oui ok ça rallonge du. Ça redonne du temps de jeu mais ça a aucun intérêt. Salut Epona, je vous attendais. C'est votre dernière chance de voir quiconque vous venir en aide. Passe cet endroit, personne ne pourra passer cet endroit, personne ne pourra plus vous aider. Alors, vous reposez-vous alors? Oui, je vais me reposer. Ouais, je vais sauvegarder sur le deuxième slot. Oui. Ok, donc voilà, bah je pense qu'il faut que je ressorte. De toute façon, dans la maison, il n'y a rien à faire. Ah, c'est Melrod. Ouais, par là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, donc bah, je sais pas par où il faut que j'aille. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je remonte vers le monastère? Ah, il y a la porte là-bas. Enfin, peut-être que c'est par là, je sais pas du tout. Donc ça ne va pas être par là, ça va être vers le monastère. Donc bah c'est un petit épisode balade, hein, on va dire, mais. Par là, j'ai pas l'impression qu'on puisse y aller, non, c'est l'eau, donc oui, c'est bien vers le monastère qu'il faut aller. Notre point de départ. Ok, encore une nouvelle zone.
Ça ressemble encore un petit peu à la forêt qu'on a prise tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, je trouve ça assez répétitif là, cet épisode. Oui, il y a un petit clin d'œil, Melrose, c'est cool d'y être retourné comme ça. Mais voilà, on y est. Puis là, il nous remet une zone qu'on vient déjà de passer il y a 5 minutes, quoi. Donc, je trouve pas ça très intéressant. Tout, 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 tout. Oui, tête pointue, mets-moi 100 points de dommage et puis on n'en parle plus, voilà. Ouais, je peux sortir de la zone, non? Récupérer toute notre vie. Maintenant, on peut aller à la porte. Ah, une nouvelle zone. Non, par là, il n'y a rien. Ok. Salut Shannon, qu'est-ce que tu fous là? Aaron, vous êtes parvenu jusqu'ici. Si vous continuez à avancer, vous trouverez ce que vous cherchez. Mon travail sera aussi terminé. Je suis un pantin fait uniquement pour vous guider. J'ai rejoint la multitude pour vous guider. Je ne savais rien du vrai monde et de la folie de ces peuples, qui sont condamnés à mourir. Mais pourquoi les humains sont-ils aussi forts? Comment peuvent-ils être si pleins de lumière malgré leur misère, leur tristesse, leur bonheur et leur colère? La chaleur du feu, le vent dans les champs, le miracle de l'eau, les récoltes abondantes, ils les bénissent de leurs prières. Dites-moi, Aaron, c'est ça la vie? Je suis un pantin et je ne comprends pas. Je n'ai pas l'âme humaine. Si vous possédez le manuscrit et la pierre magique, cette clé ouvre la prison. Votre tâche vous attend là-bas. Adieu. Donc, Shannon nous a ouvert un passage. Merci Shannon. On va grimper sur ce petit chemin. Donc là, ça fait quand même quasiment un quart d'heure qu'on court, les amis. Avec la partie... Donc ça va être Mammon. Ça ressemble un peu à Nosferatu dans Final Fantasy VIII. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, hein, mais je vais essayer tout simplement de me rapprocher le plus près possible. Ah 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 ah. Désolé, j'ai pas un rire de psychopathe. Bienvenue, Maître Brian. Et ça, c'est ce que je vous avais dit. Donc, et Aaron qui. Enfin, notre personnage qui s'appelle Aaron s'appelle Brian dans la version anglaise ou américaine. Et donc là, ils ont fait l'erreur de traduction. Ils ont laissé Maître Brian. Nous avons attendu, attendu, attendu. La malédiction du magicien Epona m'a condamné à passer 1000 ans dans cette prison. Ma patience est enfin récompensée. Vous pouvez me redonner ma liberté. Donnez-moi des ailes. Je serai libre. Mon heure sonne de nouveau. Vous m'avez libéré de ma prison. Et pour vous montrer ma gratitude, je vous promets de ne pas vous laisser souffrir. D'accord. Ne me laisse pas souffrir. Bon, même stratégie que pour les combats précédents, sauf que ça échoue. Et ça lag un peu d'ailleurs. Ok. Donc, même stratégie. On se protège. Ça a l'air assez puissant. On lui a fait deux petits coups, deux, trois petits coups. Ça marche plutôt bien l'avalanche là sur ma bonne en tout cas. Le spot est juste à distance. Son attaque de feu là fait laguer le jeu. Ça fait laguer le jeu alors qu'on est quand même sur une cartouche Nintendo 64. Donc c'est plutôt plutôt particulier comme affaire, mais bon. Je trouve ces attaques plutôt classe, enfin
plutôt bien faite d'ailleurs, mais. On se reprotège. Ah, c'est vraiment son attaque de feu qui fait laguer le jeu. C'est pas grave. L'enregistrement se passe bien cette fois-ci. Donc c'est pas très grave. Oh, j'ai quand même mis pas mal de dommages depuis tout à l'heure. Oh, voilà, on a battu Mamon. Ah, je meurs, mais. Mais pourquoi? Et ma chair qui pourrit. Oh, je meurs. Et pourquoi? Mais pourquoi? Je détestais la vie, la mort si paisible. Dors, dormir. Si t'es morte, tu parles plus. Mammon est détruit, mais j'ai survécu. Mais pourquoi? Mon destin n'était-il pas lié à jamais? À celui de Mammon? Maître Aaron, est-ce grâce à vous? J'ai toujours eu la certitude que vous sortiriez vainqueur. L'instinct de survie humain est beaucoup plus puissant que les forces du mal ne le seront jamais. Mammon a toujours été jaloux de vous autres êtres humains, qui débordaient de ressources vitales. J'ai pris ma décision, je veux apprendre à mieux connaître les humains. Je vais quitter cette langue pour rencontrer le plus de gens possible. Avec assez d'expérience, j'arriverai peut-être moi aussi à découvrir ma propre humanité. Nous nous reverrons peut-être un jour, mais en attendant, je vous offre mon éternelle gratitude. Adieu, Aaron. Ah, ça y est, il a quand même retrouvé son prénom. Et les amis, c'est la fin de Holy Magic Century. C'était le dernier épisode. Sous les yeux de Aaron, la paix n'a pas arrêté de s'éloigner. Et le monde de Mammon est apparu. Mammon, jaloux sans avoir été provoqué, usurpateur de l'éclatante et exceptionnelle vie humaine. Mais la force sacrée de la vie ne pourra jamais appartenir à Mammon. Et Mammon a été renvoyé dans les ténèbres qui l'ont vu naître. Seules quelques personnes savent qu'un jeune apprenti magicien a sauvé cette lande du désastre. Les gens peuvent désormais retrouver leur paisible vie quotidienne. De nouvelles villes jaillissent des ruines totalement ressuscitées. Même ceux qui avaient été blessés se retrouvent sains et saufs. Les peuples sont de nouveau bénis par la chaleur du feu, les caresses du vent, la fraîcheur de l'eau, les fruits de la terre. Le monde continuera à prospérer tant que les gens resteront auprès des quatre forces de la nature et de l'équilibre, tant qu'ils marcheront main dans la main. C'est un beau message, c'est vrai qu'il faut que les gens marchent dans la main pour avancer. Voilà, la fin du jeu, ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus animé quand on sait qu'il y a des Zelda qui sont sortis peu de temps après avec des animations graphiques plutôt sympas. Ok, donc voilà, c'est l'équipe de production, l'équipe de développement, je vous les laisse tranquillement. En tout cas, je trouve le fond là qui est derrière l'équipe de développement plutôt sympa. Donc bon, on va faire un petit bilan du jeu hein, globalement. J'ai trouvé le jeu plutôt sympa, que ce soit graphiquement ou au niveau de l'histoire. Les points pour faciliter le jeu, bah, une fois qu'on a le sort de soin, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut le sort d'eau au niveau 7 pour ça. Et une fois qu'on a l'avalanche et le bouclier, bah, il n'y a plus aucun boss qui nous résiste. Hein. Mammon, on l'a battu en même pas 5 minutes. Bégis, enfin tous les boss, hein, de toute façon, on les a battus assez facilement une fois qu'on a pratiqué cette technique. Non, j'ai trouvé ce petit jeu plutôt sympa et je suis très content de l'avoir fini. Je ne sais pas encore par quoi il va être remplacé. Enfin, je sais que. Actuellement, il y avait deux épisodes par semaine. On va passer à deux épisodes de Breath of Fire 4 à la place. Donc, on va rajouter un épisode à Breath of Fire et ensuite la place qui va rester, je ne sais pas du tout par quoi ça va être remplacé. Je vais peut-être reprendre The Last Remnant vu que j'ai récupéré une nouvelle Xbox 360 ou je ne sais pas encore, je n'ai pas du tout réfléchi à la question. De toute façon, vous aurez la réponse très bientôt soit en regardant ma chaîne pour ceux qui sont déjà abonnés ou soit
Ceux qui passeront sur ma chaîne plus tard, vous verrez déjà d'autres let's play. En tout cas, oui, ce petit jeu m'a bien plu et je suis content de l'avoir terminé. Donc une vingtaine d'épisodes, une dizaine d'heures de jeu en gros à peu près. Peut-être un peu plus parce que je me suis pas mal entraîné en off. Mais non, c'est un petit jeu plutôt sympa, que ce soit graphiquement, au niveau de l'histoire, et je ne regrette pas de vous l'avoir fait. Donc j'en suis plutôt content. Après, c'est pas forcément un jeu vers lequel un jeu que je recommencerai plusieurs fois, mais l'avoir fait une fois, je trouvais ça plutôt sympa. Comme je l'ai dit dans un des deux épisodes précédents, vu que j'ai tourné les trois à la suite pour ceux qui ne savent pas, je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de retours positifs à l'époque des médias. Enfin, c'est vrai qu'on était beaucoup moins informés au niveau des jeux parce qu'il n'y avait pas Internet, hein, il y a 20 ans quasiment. Enfin, il y avait très peu Internet, donc peut-être qu'au niveau de la presse spécialisée Nintendo 64, il y avait eu des articles plutôt évocateurs, mais je ne me rappelle pas avoir vu de pub pour ce jeu-là. Enfin voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et comme vous le voyez sur l'écran, c'est indiqué, c'est la fin de cet épisode. Donc, enfin, de ce jeu d'ailleurs, et de cet épisode. Bah, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi que j'ai pu prendre de plaisir à faire ce jeu, et que vous en aurez pris autant à le regarder. Et donc là, c'est la fin. Et donc, bah, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres let's play sur ma chaîne. Si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé ce petit let's play sur Holy Magic Century, bah, n'hésitez pas à liker et commenter cet épisode. Et j'espère vous revoir très bientôt sur d'autres let's play de ma chaîne. À bientôt, ciao!